Allons-y, allons-y. Bon, bien sûr, je te rassure, avec tout le temps que j'ai passé, je ne ferai pas le jeu à 100%. Clairement pas. De toute façon, c'est déjà râpé pour le 100% depuis un petit bout de temps. Voilà, musique de Red 13, quoi, meilleure musique du jeu. Alors, on va planquer les méga matérias. Donc la question c'est est-ce que j'ai celle pour Neo Bahamut? Donc si je joue Neo Bahamut, oh oui, c'est que je dois y aller. Attends, j'ai cherché Toto déjà. Moi aussi. On faut aller au cratère, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je vais réussir à me diriger un jour avec cette minimap. Promis. Je crois que c'est là qu'il faut aller, il y avait un truc à voir avec Toto dans le coin. J'ai totalement oublié ce passage.
Ouais, j'ai déjà fini le jeu il y a des années, hein. Faut être clair. Coucou au passage, Magic Bad Vince. Donc oui, j'ai fini le jeu il y a des années, des années, des années. Et je me suis dit que cette année, le Titan, c'était une occasion pour y rejouer avec un défi qui est de ne pas dormir avant la fin du jeu. De ne pas me coucher avant la fin du jeu. De faire le jeu d'une traite. Sans moi éteindre. Sans moi aller me coucher, quoi. C'est assez éprouvant, je le concède. Bah, tu vois le timer. C'est le temps depuis lequel je suis debout sur ce jeu. Celle du village fusée, je l'ai déjà. Il me reste celle de Juno, qui est celle de Junon, qui est encore enterrée, qui est encore sous la flotte. J'ai raté la méga matériale de Corel, j'avais carrément pas le niveau pour pouvoir la faire. Ah non, mais ce passage est pas marquant en fait. À ce niveau-là, hein. Je suis tellement fatigué. Wow. Ça va, pupus? T'as bien dormi? T'as été appelé? Ma pupus. Attendez, je vais faire un petit truc et je reviens. Je reviens tout de suite. J'en ai pour même pas une minute. Ce n'est pas il et non, je ne suis pas parti dormir, je suis parti dire bonjour à ma chérie qui se réveille. Ou Vénès qui dorme. Il y en a sûrement. Bah, je crois que Willou s'est endormi devant le stream. Hein. À un moment, il a dit je vais lurker en me mettant dans mon lit. On n'a plus entendu, il est encore connecté, je pense qu'il s'est endormi devant. Techniquement, c'était pas du repos, c'était dire bonjour à ma chérie. Et si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à le faire. Non, faut quand même, j'ai quand même fait des pauses pour aller au petit coin. Pour me faire du café. Pour manger, pour aller chercher à manger et remonter à manger. J'ai mangé devant le stream. Hein. Non, mais moi je le vois connecté, hein. Attends, qu'est-ce que tu me dis, toi?
Il faut que je trouve une clé. Mais pourquoi trouver une clé? J'ai besoin. Oh, j'aime pas ça. Je suis tellement déconnecté de tout. Oui, non, je sais. Il faut que je fasse monter l'eau. Que je fasse un truc qui va faire monter l'eau ici. Pour aller faire monter l'eau, je crois qu'il faut que je refasse le tour par l'autre côté. De mon côté, c'est qu'il n'y a pas de mob dans le coin. Non, par là. Alors bien sûr, vous imaginez bien que pour en être ici en 21h, j'ai sauté pas mal de trucs. Hein. J'ai pas cherché tous les matériaux, j'ai pas cherché tous les objets. Regardez que les trucs des persos qui m'intéressent. J'ai galéré à certains endroits, mais grave. J'ai manqué de mourir un immense paquet de fois. Putain, j'ai un trou. Un vieux trou de mémoire sur ce que je dois faire. Tu sais que je dois ramener un truc qui ressemble à un vieux coquillage moisi. Je me souviens d'un vieux coquillage moisi. J'ai pas souvenir d'où je le chope, le vieux coquillage moisi, en fait. Est-ce que je le chope par là-bas? Peut-être. Bon, j'allais avoir une solution parce que j'ai tellement... la tête dans le fondement. Il n'est pas sur Steam, en tout cas. Mais écoute... Et moi je la vois sur le. Enfin je le vois sur le chat. Bon, on lui demandera s'il s'est endormi devant quand il se réveillera. On lui demandera s'il s'est endormi devant le stream quand il se réveillera. Non, c'est pas ici. Je vais aller voir. Est-ce que. Et coucou, go tout sous bas, on go tout sous ça. Je vais y arriver. Je reprends le jeu dans pas longtemps. Non, c'est pas là que je fais. C'est juste que je sais plus du tout où je dois aller. J'ai tellement la tête, mais. Un endroit que tu ne veux même pas connaître. D'accord. C'est l'heure d'aller sous la séance. C'est l'heure de chanter, d'aller sous l'océan. Faire comme la petite sirène. Effectivement, je me souvenais plus où je devais aller. Mais plus du tout, quoi. Willou. Un copain dont on parle. Ok. T'as quasiment tout le stream en fait. Au final. Il a presque suivi tout le stream. Alors n'oubliez pas, il ne faut pas se garer trop près du sous-marin. Sinon, vous faites fusionner les deux appareils, ce n'est pas pratique. J'ai juste descendu au dernier moment. Parce que, comment dire les choses bien, j'ai pas envie de me taper l'arme qui va pop. Hop, on va aller par là. Thank you.
Non, il est sûrement plus reposé que moi. Alors, quitte à être là, je vais peut-être en profiter pour aller chercher le sous-marin. Non, ça c'est pour aller chercher les trucs chez Lucrécia, on s'en fout. Juste une feignasse qui est jaloux de toi. Il y a tellement de jalousie entre vous deux. Je préfère quand vous faites des papouilles, vous dites des choses gentilles. Hein. Beaucoup plus sympa. Alors j'espère juste que je vais pas me taper une agression agressive venant d'une arme. Hein. Agresser de façon agressive, ce serait fortement désagréable. Non, c'est pas loin. Ouais, c'est pas passé loin, hein. Elle était pas loin, l'arme. Elle était juste à côté de moi. Dans 2 heures, ça fera précisément 24 heures que je suis sur ce jeu. Et que je ne dors pas. Je ne me suis pas endormi sur ce jeu. Non, c'est pas par là. Par là. Mais vous êtes choupi tous les deux. Tu as trouvé la clé, bah ouais, avec une solution, ça aide. Je me souvenais qu'il y avait un truc à faire ici, mais c'est vrai que cette séquence est tellement chiante que tout le monde l'oublie. En fait, tu t'en souviens quand tu repasses devant, quand tu dois la refaire, tu fais « Oh mon Dieu, cette séquence !» Allez, c'est l'heure de la douche. Un vidéoprojecteur aquatique. Ça, c'est classe. Oh, putain, désolé, fatigue. Il est sympa. Oh, Boro, on te revoit, Boro. Comment ça va, Boro? Ah oui, c'est vrai, Rip Boro. T'étais là pour le Rip Boro Tortel. Super ça avec des noms improbables en plus. Viens voir Poupouche. Fatigué. Bon, souci surtout.
Hein? D'accord. Tu voudrais que je te remonte du thé? Tu voudrais que je te remonte du thé? Moi, je pense que je vais me faire un café histoire de tenir les quelques heures qui me restent. Putain, je peux dire les quelques heures qui me restent maintenant. C'est... Vous imaginez pas le bien que ça fait. Le tournoi d'échecs de ce soir est annulé. Donc du coup, tu regrettes de ne pas avoir vu le Ribbow. Bah t'as le droit de le faire. Retardement parce qu'on vient de l'avoir. On vient de voir Bobo, donc t'as le droit de faire un Ribbow. Parce que je sais que tu fais partie des gens qui attendaient avec impatience le Ribbow. Elles sont dans les bons trous. Voilà. Je savais que ça te manquerait le Ribbow. Mais du coup, je vais pas pouvoir y aller avant la fin du disque 1 parce que là, ça va un peu s'enchaîner. Pas avant la fin du disque 1, mais avant la fin de la partie. Je me souviens plus si c'est le parachutage en premier ou l'arme. Le diamant en premier. Déplacer un putain d'énorme canon. Allez hop. Je vais pouvoir, je vais sauvegarder, je vais vous laisser quelques minutes le temps de faire du thé et du café. Ne m'en voulez pas, mais le thé et le café c'est important dans la vie. Et surtout si je veux finir le jeu, il faut que je m'en fasse du thé. Je vais juste me mettre sur un point de sauvegarde. De toute façon, elle sert à rien, Yuffie, elle est mieux. J'ai pas utilisé Yuffie, je te dirais. Attends. Donc, il fait crack. Allez. Je reviens dans quelques minutes à peine. Des bisous. A tout de suite.
On va improviser pour prendre un peu à boire. Donc voilà. J'ai un peu dû manger. J'ai un peu dû à boire. C'est un peu reparti. Je vous ai fait attendre, mais c'était pour affronter un boss. Donc voilà le boss. Enfin voilà le boss pourquoi.
Voyez ça, les enfants. Refantasma. Ça semble un moment parfaitement adapté pour utiliser une tente. Et pour sauvegarder. Et Luna a fait un caca. Quoi, tu sens aussi? Coucou Abyss, comment ça va? Tu arrives vers la dernière ligne droite. Bientôt la fin. Écoute, fatigue. Je suis contente, là je suis quand même en bonne voie pour finir mon défi. Oh, en fait, Fantasma s'est à peine couché. Fantasma voulait voir la fin du stream. Allez. Combien de temps encore? 4-5 heures? On a tout cassé? Je pense, hein. Pas mieux que dans ici. Je vais la mettre ici. Bah, la mettre qui dit mieux. Il y a un néo-Bahamut qui traîne juste à côté. Putain, maintenant que les armes Vok me bousculent la moitié, voire les trois quarts de mes MP, ça fait du bien. Au moment de placer un rejet. C'est tellement magique. T'as un appel? Mmh.
D'ailleurs, t'as fini tes partiels, Tortal, ou t'en as encore aujourd'hui? Parce que t'as pas trouvé la technique, Fantasmas, parce que t'as pas trouvé la technique. Glace qu'il aime pas ce mob, tu mets un coup de glace. Donc tout le monde régène, ça va en fait. Ça ressemble tellement à un robot de Power Rangers ce mob. Quand même vachement belle Estifa, hein. Elle te fait un suplex sur un truc 10 000 fois plus gros qu'elle. Et c'est passé, et on a réussi à péter l'arme à coup de limit break. Pourquoi tu te sens vieux d'un coup?
tourner les réacteurs à pleine puissance. Il doit en avoir quelques-uns qui traînent, vous en faites pas. Hein. Là, c'est un canon. Si tu prends un tir dans la tronche, t'existes plus. Tout pété quoi. Celle-là n'est pas contente. Même passer à travers. Hein. À ce moment-là, on refuse dans toute sa classe, quoi. Mais franchement, classe. Le gars qui arrive, il bronche pas, quoi. Il se met juste à l'abri au dernier moment, mais en sachant que ça sert à rien. Le pire, c'est qu'il a survécu, ce con. Alors pour lui, ils se sont souvenus comment utiliser les matériaux. Je vais aller tout le monde, ça va pas faire de mal. J'ai tellement de matériel qu'on peut en plus. On a un peu besoin de mes matériaux. Bon courage pour ça, Tartan. C'est un vrai cauchemar, ces trucs-là. J'étais tellement pas sûr que ça allait passer, quoi. Faire, j'enregistre. J'ai beaucoup de sauvegardes parce que mon PC a déjà crashé deux fois pendant le live. Hein. J'ai eu deux morts de PC pendant le live, donc je sauvegarde régulièrement pour éviter que... Thank you.
vais retourner au canyon parce que de mémoire j'ai un truc à faire au canyon. Je vais vérifier que personne n'ait pris sa limite sans que je fasse gaffe. Non, personne. Bah dis donc, elle t'appelle tôt. Tifa, elle est acharnée aujourd'hui. Bah pas Tifa, Plancton. Mais le Plancton a faim. Je décrocherai même pas si ma mère m'appelait à cette heure. En même temps, je sais qu'elle le fera pas. Enfin, j'espère. Alors que celle qui me manque, c'est la rouge. À tous les coups. Là, c'est la bleue, ouais. Ouais, mais je vais attendre un peu. Je pense que ça va être relativement... Il est où, Toto? C'est pas encore l'heure. Ah, moi, ce qui m'intéresse, c'est la bleue, de toute façon. Oh, je peux encore monter. Ouais, voilà. J'aurais pas bâmé une 0 en avance, c'est pas très grave. En même temps, vu comme j'étais under level au moment de passer... au moment de passer en phase de... Enfin, au moment de passer à Corel... J'aurais pas pu, même en mettant toute la bonne volonté du monde et tous les retries, j'y serais encore et j'aurais pas placé le truc, hein. Alors, chercher l'arme de clave. Ouais, tu me diras, ça paye, ça mange pas de pain, hein. Pas sûr que ce soit déjà bon. Hein. Ah si, c'est bon. Ah, j'ai que 30 niveaux de moins. Regarde, j'ai que 30 niveaux de moins. Allez, je prends le risque. Je viens de sauvegarder, on va voir si je peux.
On va voir si j'ai une chance. Je tente ma chance. J'y crois pas forcément beaucoup, hein. Parce que j'ai pas des dégâts monstrueux. Plus mal, hein. Non, je pense que c'est pas encore le moment. N'achète pas de nom, on n'y croit pas trop. Oh, ça va être faisable quand même. Ah, en plus. Tu vois, t'es médisant. T'es totalement médisant, Fantasma. Je me médis sur mes capacités. Ouais, mais il est pas là pour taper, il est là pour faire de la magie. Et elle est où? Non mais... Oh mon dieu, il se passe quelque chose pendant que je poursuis cette étrange créature.
Et c'est encore Rojo qui pète un fusible. Toi aussi. Ce sera pour une autre fois, elle est en train de régène. C'est l'heure de sauter! C'est l'heure du saut en parachute! Banzai, youhou, banzai, trulela, wouhou, bahou, yahi, it's me, Mario. Désolé, j'avais envie. Bon, surtout, je suis fatigué, donc je fais de la merde aussi. Cette scène est tellement épique. C'est l'heure d'aller dans le bâtiment Shinra. Allons, canon Mako. Il y a tellement de ces bestioles. Behemoth, il a trop une bonne gueule. Ah.
Alors je spam vol pour une raison très conne, hein, même s'il n'y a plus rien à voler, je m'en fous. C'est uniquement pour être sûr que ce soit pas Tifa qui tue. Donc je suis pas sûr sûr parce qu'elle peut encore contre-attaquer. Voilà ce que je disais, hein. Pas sûr sûr parce qu'elle peut contre-attaquer, tuer. Tellement labyrinthe ce truc. Ça va plus. Il est bon le truc. Hey, coucou quoi alors. Enfin re. Oh bah il est mort. C'est ballot. Il y a encore un coffre ici. Super amigé ici, ça, ça m'intéresse. Ouais, bubule. Oh, il y a un bubule. Tellement de bastons ici. Hey Willou, tu t'es endormi sur le stream? Ah non, je me suis pas encore couché. Non, non, non. Je commence à vraiment arriver à bout de souffle, mais... Ça va encore se suicider, elle. Bon, je dis surtout que vous êtes plus mimi quand vous faites des papouilles. Thank you.
plus l'apocalypse ici en fait. Un labyrinthe. Encore un putain de labyrinthe. Et là, je suis un peu moins stressé. Bracelet d'Aegis, de mémoire, c'est un truc qui est cool. Un truc qui est cool mais qui a pas de... Allez, bah bon courage quoi là. Mais il en faut combien de morts? Alors ça, je ne sais point, je te dirais. Je ne le sais point. Et ça est mort. Plus.
On va avancer un peu. C'est bon. Par là, je vais aller dans le bâtiment chinois, j'ai jamais réussi à le faire correctement. J'ai jamais réussi à le faire tout court, à chaque fois je me paume. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui merde. Tiens, Turbo, ça c'est une bonne nouvelle. Tequilator. Je suis pas dans la dentelle. Hein. J'ai évité, ça me semble une mauvaise idée de prendre des gants. Ça va faire mal. Bon, honnêtement, ça va faire mal. Hein. Thank you.
N'est-ce pas? Et a priori, on en a encore pour un bon 4 heures. Tortel va mourir. Gentiment, mais il va mourir. C'est ce qu'il me dit. J'espère qu'on aura le droit à une run de Zelda à 8 heures comme d'hab. C'est sur le... Je sais que c'est avec de l'humour. Hein. Ça c'est pas cool. Ouais, je vais aller susciter quand je pourrai. Refantasme. Le décor d'un, ça tape qu'un seul ennemi. Je récinais là. Priorité. Pas trop cherché, hein. Coucou Willou! Bah t'étais déjà un peu réveillé. Non sérieux, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose d'autre que Rez, mais... C'est ça le terme, j'aimerais bien faire autre chose que Rez. Tellement chier. Bon, je pense que ça va être hip-run, ça va être plus simple. Voilà, hip-run. C'était évident. Donc tu disais, puce. Non, je disais que...
de répondre à un appel du taf avec une Daria qui queen, c'est rigolo. D'accord. Moi, je suis désolé, je suis du mal à t'entendre en même temps. Fatigué. Donc, on a quand même enregistré, hein. Là, mon PC est encore au bord du plantage, hein. Les 5-6 heures du stream, il se met au bord du plantage. Trois types en costard, ils sont violents. On la retente en essayant de pas crever comme une merde. Ce serait bien. Parce qu'ils doivent donner masse de pex. Ils doivent pexer à mort. Autrement, je vais farmer. Rien de faire au nain. Autant taper les nains. Mettre pour au moins en tuer un. Je peux quoi? De ne pas comprendre les phrases, surtout quand je suis crevé. Thank you.
J'ai vraiment l'impression qu'ils sont intuables. Mais vraiment quoi. Une limite de merde. Ah, je les ai eus. Ah, je les ai eus. Ah, c'est cool, je les ai eus. Je suis désolé, je suis tellement trop crevé pour réussir à faire deux trucs en même temps. Non, c'est pas là que je vais aller. Ouais, un peu de ça. Sens, c'est ça. Je sais tellement pas où je dois aller. Mais bon, c'est mob à faire des animations super lentes en plus. Sérieux, leurs animations sont d'une lenteur. Non mais c'est bon, ça fait 3 fois que t'attaques le mob. J'ai peut-être le droit d'attaquer un peu. Non, ils ont le droit d'attaquer 10 fois avant moi quoi. C'est totalement abusif. Totalement relou. Partir dans l'autre sens. Ça veut dire que ça va être dans l'autre sens. Je crois qu'il y a ici en fait. Donc ils me disent que c'est pas dans le bon sens. C'est limite niveau 2. Je me pose la question.
Claude aura sa limite niveau 3. Bof, on s'en sort, hein. Mieux combat, ouais, je trouve ça un peu merdique des fois. Après, je dois me retaper le chemin dans l'autre sens, hein. Ces combats de l'infini. Sérieux, ces combats qui durent 800 ans. Je trouve ça super chiant. C'est vraiment des combats super longs, quoi. Non mais là je suis en train de chercher l'entrée du bâtiment de la Shinra. En plus c'est vrai. Bon après fermé je pense que ça peut pas me faire de mal, hein. Mais c'est pas le but principal. Bah déjà, j'ai une attaque qui fait super mal.
Ah, enfin! Il n'y a plus que Sinaël qui doit tuer. Plus Sinaël qui a besoin de tuer du mob. Ah, bonne nouvelle. Alors les gens, j'ai une bonne nouvelle. On va pouvoir la tronche à ce meuble-là. Et en fait, on va juste faire ça parce que j'ai oublié d'équiper un intérieur. Tellement rien, c'est mort en plus. C'est bon, Sinaël, arrêtez de faire la pipi, ça c'est une bonne nouvelle. Des bisous! Bon courage pour ta journée. Pas oublié cette fois. Voilà. Et donc maintenant on va faire des trucs magiques. On va voir si les trucs magiques marchent en fait. Alors j'espère qu'ils n'ont pas corrigé le bug sur la version Steam parce que sinon ça va être super chiant. Oh fuck. De toute façon ça va être super chiant parce que c'est pas le mode qui m'intéresse. C'est une impasse. C'était bien pas par là. Faut bien faire demi-tour. Mais j'ai élément W et ça c'est cool. Ça c'est une bonne nouvelle. Si élément W c'est important. Pourquoi? Parce que les mains bleues, ça permet de faire. Je
Je pense qu'après, je n'aurai plus de problème de régen. Je pense que vous comprenez pourquoi. Je pense que vous comprenez pourquoi maintenant je te régène à l'infini. Ah ça c'est connu hein. Le clone des Mélégalixir c'est totalement connu. C'est pour ça que j'ai bien fait gaffe tout le long à en avoir deux. Alors maintenant que le régène c'est géré. Oui je sais. Balancer deux objets. C'est la commande qui sert pour balancer deux objets. En fait. En même temps. Il y aurait 13 passés à limite, ce serait cool. Allez, Sinaï, prends-toi. Merde. Pas grave. À faire ça, c'était juste pour passer le temps. En même temps, pouvoir faire autre chose. Ouais, j'ai cloné les Star Turbo. Ça va pas? Tu veux y aller? Pas grand chose d'autre à cloner. Hein. Ah,
je vais vous laisser deux petites secondes pour dire bonne journée à ma chérie. Et puis, j'arrive. Oh, ça fait du bien en même temps de m'oublier. Je reviens immédiatement. De toute façon, je suis juste à côté. Au revoir Nina. Alors, me revoilà. Je prenne mes hormones. Bonne douche. Beaucoup. Faut pas que j'oublie de prendre mes bonbons, hein. Bientôt nos 24 heures. Attends, je vais juste voir un truc. Ok, intéressant. Alors, il y a Tortal qui dit tchuss Nina, il y a Koala qui dit au revoir Nina. Et il y a Fantasma qui dit bye Nina. Il y a tout le monde qui dit au revoir. C'est déjà du monde à cette heure, c'est impressionnant. Alors, quel côté ? Maintenant j'ai des doutes. Hein. Je continue un peu par là au cas où. Si vous dites quelque chose, j'ai des doutes. Hein. Je crois que j'ai encore raté le coche. Hein. Pas attaqué de bon perso. Hein. Ah, trouvé enfin! Je vais enfin trouver ce que je cherchais. Ils sont malades de l'attaquer. Hein. Ils attaquent tellement pas les bonnes personnes. Ouais, la mauvaise strat du Sister Ray, le nom du canon. Voilà. Oui.
Coucou Spifounette, enfin re, enfin coucou, enfin re. Voilà, ça doit être l'étage du dessus. Donc voilà, ça doit être l'étage du dessus. Tout il est ouvert. Pas bête de se priver. C'est tout ouvert. Voilà, c'est là que je vais aller. Ça c'est cool. Maintenant je redescends. Et je vais voir si je peux enfin ouvrir les deux coffres qui sont là-bas. Deux coffres qui m'intriguent, j'ai envie de les ouvrir moi. C'est pas un gros détour par rapport au détour que j'ai fait. Alors on est j'ai fait un gros reprun, ce qui fait qu'on est retourné au début du jeu, Spifounette. Donc tu t'en fais pas, hein, tout va bien. Juste que reprun. Tellement méchant, Tifa. Pieces. C'est tellement moins bien. Bon après le masque reste celui-là, mais je vais pas le mettre tout de suite. Non, Spifounette, je déconne. Non, j'ai pas tout recommencé, c'est juste parce que je repasse à un endroit du début du jeu. Non, 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 je te rassure. J'aurais pas eu le courage. Non, j'allais juste chercher des objets endgame dans un endroit du début du jeu. Parce que t'avais pas accès à ces objets plutôt. Pas de problème, hein. Je crois que le mien il est fonctionnel. Il va plus laisser un coup de tête. Tout va bien. Tout va bien. Je sais où je suis. Presque. Je sais où je dois aller. Ou à peu près. Tout va bien. Attends, faut que j'utilise les sources aussi. Non, tu vois, je suis niveau presque 50. Tout va bien. Tout est normal.